Auteur d'un doublé dimanche soir contre l'Orient, pour la dernière sortie des Olympiens au vélodrome cette saison, pierre emerick Aubameyang a encore grandement contribué au succès des siens 3-1. Portant à 29 son total de réalisations toutes compétitions confondues. Au 21e siècle à l'OM, un seul attaquant s'est montré plus prolifique sur un exercice complet, Didier Drogba, il y a tout juste 20 ans. Avec 32 buts au compteur. Malgré des débuts chaotiques, le contre-coup certainement d'une réathlétisation nécessaire après un passage sans relief à Chelsea, le buteur gabonais de 34 ans est assurément l'une des rares satisfactions phocéennes de la saison. Or, si son contrat court jusqu'en 2026, l'intéressé a priori n'ira pas au-delà des deux matchs de championnat restant à Reims et au Havre avec l'OM. La Provence indique que l'ancien Gunner Ador est déjà trouvé preneur. Il se murmure que Pierre-Emeric Obameyang aurait déjà choisi sa future destination, dans un championnat qui lui fait les yeux doux depuis l'été dernier peut-on lire dans les pages du quotidien régional La future destination en question étant probablement l'Arabie saoudite, capable d'ériger des ponts d'or pour les joueurs de renom en fin de parcours. Je fais toujours le point à la fin de la saison. On va finir cette saison avec les grands matchs à venir, et on en reparlera à ce moment-là, soufflait il y a 15 jours à peine l'attaquant vétéran auprès de l'équipe. Il y a eu l'opportunité. La proposition est arrivée, confiait-il par ailleurs quant à une offre saoudienne astronomique l'été dernier. Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant. D'Arabie saoudite ou d'ailleurs, mais avant tout, c'est le football que j'ai dans le cœur, je n'ai pas envie d'avoir de regrets demain. Je préfère avoir un challenge, même risqué. C'est ça qui va faire que je reprendrai derrière un plus gros chèque, on ne sait jamais dans la vie. L'heure du gros chèque aurait donc sonné pour Pierre-Emery Kobameyang, qui fêtera ses 35 ans le 18 juin prochain. Alors que l'OM n'est pas assuré de jouer l'Europe la saison prochaine, assumer des émoluments de 700 000 euros mensuels environ pourrait devenir tout à fait intenable. Et le président Longoria ne sera sans doute pas en position de refuser des transferts lors de la prochaine intersaison.